Eh bien, bonjour à tous, Anarchie, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui, on se trouve pour une petite vidéo sur GTA Online. Donc, on va apprendre à Walbrecht, la maison de Martin. Donc, sur cette vidéo là, on n'est pas en live, j'ai pas réussi du premier coup, du coup, je vous montre directement quand j'ai réussi. Je vous retrouve tout de suite. Re tout le monde, j'ai trouvé l'emplacement où ça marche, donc maintenant je vais vous le montrer. On n'est toujours pas en live, hein, les amis. Donc là, vous levez juste la roue avant et tac, vous êtes propulsé dans la maison d'en face. Ensuite, vous allez devoir faire un stunt pour passer dans la maison de Martin. Enfin, sur le toit, et ensuite vous passerez dedans. Donc, voilà, vous prenez un petit peu d'élan pour être sûr de vraiment retomber sur le toit. Et là, vous foncez, vous levez la roue avant. Et là, tac, vous arrivez sur le toit. Donc, c'est pas terminé. Maintenant, il va falloir descendre sur le balcon. Donc, vous avancez tranquillement. Il faut vraiment y aller doucement, essayer de pas faire tomber votre moto. Surtout, essayez de pas tomber, c'est ça le truc. Donc, voilà. Vous y êtes, maintenant vous tournez à droite, et là vous rentrez dans le mur, et ça va faire le Walbrecht. Ce glitch a quelques points faibles, on peut pas tirer à travers déjà, donc si vous êtes à l'intérieur, vous pouvez pas tirer par les fenêtres, vous pouvez vraiment pas tirer, ça c'est un peu embêtant. Ensuite, vous êtes un peu bloqué dans la maison, ça veut dire qu'il y a quelques barrières, du coup vous pouvez pas passer partout. Et en plus, pour sortir, vous êtes obligé de prendre votre moto. Donc, si j'ai tourné cette vidéo, c'est parce que je pense que c'est un bon glitch pour XP. En gros, vous vous mettez sur le balcon, vous tirez 2-3 balles sur les gens au sniper, ensuite la police vous poursuit, et tout ce que vous avez à faire, c'est à re-rentrer dans le glitch pour semer les flics. Donc voilà les amis, c'est déjà terminé, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça me fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt, ciao tout le monde!